La famille, bonjour, j'espère que ça va. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui devrait beaucoup vous plaire parce que c'est une vidéo dans un thème que vous aimez bien. Je suis venu à Paris, comme vous le savez, j'ai récupéré la jeune RS7 de l'enfer et j'ai envoyé Akram et 7 Gex en enfer avec. Et maintenant, c'est le moment de rentrer à Monaco. Donc je vais rentrer à Monaco par la route avec la voiture. Au moins, je vais en profiter pour filmer. Et moi, j'aime pas l'avion, tu sais. J'ai des avions sur route. Donc je préfère avoir un avion sur la route qu'un avion dans les airs, frérot. Voilà. Donc la RS7, c'est mon petit avion sur route. C'est une grande routière, donc c'est une voiture idéale pour faire ce genre de trajet, des Paris-Nice par exemple, ou même plus. 1000 km avec une voiture comme ça, ce n'est qu'une formalité. Voilà. Là, je viens de mettre Waze, on a 966 km. Il est 17h30, ça nous dit qu'on va arriver à 1h01 du matin. Et ça nous annonce 7h37 de route. Je pense qu'on va exploser le score, c'est-à-dire qu'on va arriver bien avant, parce qu'on va avoir une moyenne un peu plus élevée, à mon avis, frérot, vu qu'on va pas souvent s'arrêter et tout. Tu vois, on va gagner du temps comme ça. Et je pense que c'est un trajet qui va être très confortable. Le but de ce trajet, bien évidemment, c'est pas de rouler comme un hystérique sur tout le trajet, etc. C'est uniquement de, voilà, je vais conduire un peu en mode éco, à 130, 135, 136 maximum, comme vous le savez très bien. Et voilà, vous dire un peu combien ça consomme, combien de plein d'essence on va mettre, comment, voilà, donner un peu mon ressenti de la voiture. Donc là, tu vois, on a Waze. Donc ça, ce qui est bien sur cette voiture, c'est qu'on a le Apple CarPlay intégré à l'écran GPS de la voiture. Donc là, ça nous indique qu'on a, comme j'ai pu vous le dire, on va arriver à 1h01 du matin. On a 7h36 de route et 966 km. Ouais, c'est bien aussi parce que malgré tout, ça nous indique les radars fixes et mobiles. Même si on respecte les limitations de vitesse, c'est bien de savoir lorsqu'il y a un radar, tu vois. C'est des informations judicieuses. Et voilà, on a toutes les infos, en gros, du trajet qui se trouve sur le CarPlay qui est juste là. Pour sortir de Paris cette fois, on a pris le tunnel duplex A86 pour ceux qui connaissent. Donc c'est un tunnel qui est très bas, comme tu peux le constater, tu vois, le plafond il est super bas et sur lequel tu as des radars au plafond. Donc faut faire super attention dans ce tunnel. Bon, il y a souvent des grosses traces de freinage sur le sol avant d'arriver sur les radars, parce que les gens paniquent en général à la dernière minute et pile avant. C'est un tunnel qui coûte 10 €, donc le péage, j'ai payé 10 € pour rentrer à l'intérieur du tunnel. Mais ça nous fait éviter en fait tous les bouchons, comme vous pouvez constater ici. On passe dans toutes les villes, etc. sans avoir de bouchons. Et il n'y a pas beaucoup de monde qui emprunte ce tunnel, parce que c'est un tunnel qui est hyper cher, quoi. Bon, ça y est, on est sorti du tunnel. Circulation dense, signalée de... Voilà, comme tu peux le constater, avec CarPlay, le jeune Waze tient informé qu'il y a beaucoup de trafic. Donc c'est un peu compliqué, frérot. Mais comme d'habitude, pour sortir de Paris, c'est toujours la même chose. C'est toujours un peu compliqué. Il y a toujours beaucoup, beaucoup de monde. Et là, le bouchon, il dure sur quelques kilomètres, à mon avis. Donc, ça va être très sympa, frérot. J'ai mis la voiture en mode efficient, parce que c'est un mode dans les bouchons, voilà, c'est très bien. Il y a le start and stop que j'ai laissé activer, même si je suis pas un grand fan du start and stop. Mais au moins, quand elle s'arrête, ça consomme pas pour rien. Et en mode efficient, en fait, cette voiture, si tu veux, efficient, c'est le mode éco, en gros. Et la pédale d'accélérateur est plus dure. Tu vois, tu peux moins appuyer facilement dessus, tu vois. Et j'ai l'impression que le moteur tourne sur 4 cylindres, tu vois, contrairement au mode sport ou au mode classique qui est un mode dans lequel le moteur tourne pleinement. Donc là, comme vous pouvez le voir, les amis, j'ai mis le régulateur de vitesse. Et comme vous le savez, en fait, sur cette voiture, sur la calandre à l'avant, il y a deux gros capteurs. Donc à quoi servent ces deux gros capteurs? C'est que là, tu vois, la personne devant moi est en train de ralentir. Et sans que je freine, parce que tu peux voir que je ne freine pas actuellement, la voiture ralentit et se calque à la voiture de devant. Donc ça, dans les bouchons, c'est un avantage qui est incroyable, parce qu'en gros, ça t'évite de freiner, accélérer, freiner, accélérer, freiner, accélérer. Toi, tu mets le régulateur, tu lui dis, voilà, je veux que tu roules maximum à 50, et quand ça freine, bah là, vous voyez, elle est en train de s'arrêter toute seule, tu vois. Regarde, je te montre en direct. Voilà, elle est en train de s'arrêter. J'ai pas mis mon pied sur le frein. Et là, elle s'est arrêtée, et elle se maintient arrêtée sans que j'ai à appuyer sur le frein. Et quand la personne de devant va redémarrer, bah la voiture va redémarrer également, tu vois, voilà. Elle redémarre tout de suite, sans que j'accélère. Après, comme vous pouvez constater, avec le plein, donc là j'ai le plein total, ça me dit 440 km d'autonomie. Voilà, pour l'instant on avait fait de la ville et tout, donc je pense qu'en arrivant sur l'autoroute, l'autonomie va augmenter. C'est sûr qu'avec ma jeune CLA de ministre, il y a plus d'autonomie. C'est un petit moteur diesel, etc.
mais on n'a pas l'agrément de conduite qu'on a avec celle-là, quoi. Bon, la famille, ça y est, on est sorti des bouchons, donc comme vous le voyez, je suis toujours en mode efficient. On a dû passer 20 minutes dans les bouchons cette fois, comparé à la dernière fois où on a passé 4 heures avec la CLA. Bon, en même temps, on partait du 93, on est parti du 92. On partait de Saint-Denis, on est parti de Nanterre. Donc voilà, ici, on arrive à la sortie Fresnes. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, pour l'instant, heureusement, ça roule. Dans 2 km, on va prendre la 6B, direction Bordeaux, et on va commencer à descendre vers la jeune autoroute du Soleil, frérot. Vous voyez que dans l'autre sens, ils n'ont pas autant de chance que nous. Dans l'autre sens, c'est complètement bouché. Donc tu as ici la jeune caméra nocturne. La vision nocturne thermique, bien évidemment. Je vous le rappelle, si jamais vous voyez mal dans la nuit, vous pouvez l'activer, c'est très pratique. Donc là, vous voyez, on a la sortie Bordeaux sur la A6B, donc c'est limité à 70. On est à 81, voilà, on n'est pas des très grands criminels de la route. On est des petits malfrats, des petits voleurs de sucettes, frérot. Mais bon, c'est vrai que tout le monde roule en moyenne à 80 sur le périph', tu vois. Voilà, c'est pas pour truc. Donc là, on prend la sortie, il nous reste 941 km, donc ce n'est que le début d'un long périple. Et voilà, c'est parti, on sort de Paris, on arrive sur les autoroutes qui vont nous permettre de redescendre dans le sud, frérot. Voilà, j'ai mis le régulateur, frérot. Sur ce genre de voiture, le régulateur est vraiment très agréable à mettre parce que c'est des voitures qui ont beaucoup de couple. Donc, tu vois, dans les montées, etc., elles peuvent garder une vitesse constante, contrairement à d'autres voitures qui ont besoin de tomber les rapports, etc., dans les montées, tout ça. Là, avec ce genre de voiture, voilà, il y a beaucoup de couple. Je pense qu'on a 800 newtons de couple à peu près. Sans tomber de rapport, elle arrive à maintenir sa vitesse, et voilà. Au niveau de la consommation, alors je sais pas, c'est pas le genre de truc que je regarde sur cette voiture. C'est plus ce genre de truc que je regarde sur ma CLA. Je sais même pas où c'est d'ailleurs sur la RS7. Donc quand je m'arrêterai tout à l'heure, je vous le dirai. Je sais que voilà, là on arrive sur un radar, c'est limité à 110, on est à 90. Donc on est bon. Et j'ai toujours le régulateur de vitesse adaptatif qui gère la distance entre les autres voitures et moi. Voilà. Alors l'avantage avec le fait de partir un dimanche, c'est que vous voyez, la sortie pour Paris est vide, tandis que les gens qui rentrent dans Paris après leur week-end, bah, c'est blindé. Donc là, clairement, c'est la route, bah, dans l'autre sens, qui fait rentrer sur Paris. Vous voyez, il y a des kilomètres de bouchons. Parce que moi, tout à l'heure, depuis tout à l'heure, je roule, je filmais pas. Mais là, vous voyez, voilà. Au niveau bouchon, c'est dur de faire mieux que ça, frérot. Donc, bon. Là, ça continue pendant des kilomètres. Regarde les pauvres. Le bouchon, je suis choqué. Là, tu veux rentrer à Paris, t'es dégoûté, genre. Regarde-moi ça, ça ne s'arrête pas. Il doit y avoir 10 km de bouchon à peu près. Et nous, frérot, c'est comme la pub du loto, tu sais, de l'Euromillion, là, à l'époque, où le mec, bah, il filme d'en haut et tu vois tout le monde qui est dans le même sens. Et un brave type, frérot, en RS7 Grinardo de coiffeur, qui part dans le sens opposé, frérot. Bon, j'étais pas en train de filmer, juste au moment où j'ai coupé, je me suis mis l'œil, frérot, j'ai parlé de la pub du loto. Je me suis fait flasher à 123 au lieu de 110. Voilà. Donc c'est une super nouvelle, au bout de 3 km j'ai déjà pris un flash. La voiture est en plaque française bien évidemment, donc le flash va arriver à destination. Donc c'est magnifique, frérot. Premier flash du moment, super sympa. Bon, 90€, ça va, on va pas se plaindre. Je préfère que ça soit moi qui le prenne plutôt qu'un père de famille qui a fait une erreur d'inattention. Là tu vois, frérot, le problème quand l'autoroute elle est comme ça, c'est une grosse 3 voies. Bah, déjà je roule sur la voie du milieu alors que je suis un peu en tort. Voilà. Bah là, j'ai vu Fleury, donc ça m'a détendu, parce que j'ai pas envie de finir à Fleury. Mais quand je vois des grosses 3 voies comme ça vides, tu vois, le compteur, j'ai plus envie qu'il soit à 329 qu'à 129, tu vois. Surtout que le trajet irait un peu plus vite. En tout cas, si j'étais en Allemagne avec cette jeune RS7, crois-moi que je serais pas à 130, frérot. Parce que là, c'est dur. Là, tu vois, j'ai le pied qui tremble. Ça, c'est un symptôme de manque, en fait, tu vois. Regarde. Non, reviens ici. Arrête, pars pas là-bas, connard, reviens. Voilà, tu vois. Faut le tenir en laisse, frérot, sinon il fait du sale. Là, par contre, il y a une sortie de péage, donc je vais confier la caméra à mon jeune acolyte et on va vous faire une petite sortie de péage bien sale, frérot. Voilà, on arrive au péage. Donc je mets le mode RS, voilà, parce que le mode RS, c'est le tuning. Voilà, S6. Donc S6, c'est très tuning. Et là, tu vas pouvoir constater, déjà la boîte est plus réactive, tu vois, la sonorité de l'échappement est beaucoup plus réactive. Et la sortie de péage, c'est bien évidemment un des moments les plus tuning de cette vidéo. Donc tu vas voir, tu ne devrais pas être déçu. Ça arrache. Là on est à 72, 79, t'es à 80, ça arrache. Voilà.
pas 80 parce que c'est limité à 90. On fait attention, tu vois. Mais comme tu peux le constater, c'est un véhicule qui arrache, qui a bien la santé, mon ami. Tu vois. Là, on est tombé sur la 607 de Gérard, je crois qu'il veut faire la course, pas reconnu. Donc, du coup, regarde, montre-lui, frérot. Allez, c'est moi qui pilote, mon ami. Là, on arrête. Faut faire des petits pics de vitesse de temps en temps sur l'autoroute, mais il ne faut jamais rester à haute vitesse, parce que c'est très dangereux. Voilà, l'autoroute, c'est très dangereux. Quand tu dépasses 130, tu prends des très gros risques, donc à éviter, ok? Bon, la famille, toujours sur la route, j'ai ce fâcheux défaut de rester sur la voie du milieu, alors que je devrais me mettre à droite. Voilà, je me suis mis à droite, la nuit commence à tomber, il nous reste 870 km, donc on est encore au début de notre jeune périple. L'essence descend quand même assez vite. Parce qu'après, voilà, je suis à une vitesse un peu excessive aussi, je ne m'étais même pas rendu compte. Je vais descendre un peu. Voilà, on va se mettre à une vitesse réglementaire. Tu vois, le problème avec cette voiture, c'est que des fois, tu ne te rends pas compte de à quelle vitesse tu roules. Parce que tu peux être à 150, 160, 200, 220. Elle est tellement confortable, tellement insonorisée. Tu es tellement dans un cocon que tu ne te rends pas compte de la vitesse, tu vois. Donc, il faut faire très attention à ça aussi, la famille, avec ce genre de voiture. Donc voilà, on continue nos petits bonhommes de chemin, on se retrouve dans 100 km, je dirais. Bon, la famille, arrêt numéro 1, et on est à la moitié du plein, parce que ça descend assez vite. Mais c'est surtout moi qui ai besoin d'un café, frérot, comme d'habitude. Donc là, comme tu peux le constater, j'ai pris mon jeune café fou, que j'ai payé en pièces, que j'avais des pièces, je savais pas quoi en faire. Ça se passe super bien, juste, c'est vrai que comparé à la CLA, ça consomme quand même beaucoup plus. Après, c'est pas dramatique, tu vois, on s'en fout dans le fond, mais voilà. Faut le dire, tu vois. Après, en même temps, comparer une CLA de 200 chevaux avec un monstre de 600, hein, c'est sûr que... Bah, tu vois, frérot, là, on a le kit de survie. Un petit café. Un petit Red Bull. Zéro calories, tu vois, parce que je suis déjà assez gros comme ça. Et pour compléter les calories qu'il n'y a pas dans le Red Bull, un club jambon et mental, avec un peu de reste humain. Un deuxième. Voilà, non, je rigole, cette marque, ça va, c'est bon. Franchement, ça dépanne, quoi, ça fait le taf. Mais je me suis toujours demandé pourquoi sur les autoroutes ils mettent pas des shakers. Tu sais, les shakers comme ceux qui te vendent à la salle de sport qui sont déjà tout faits, pourquoi ils le mettent pas sur les aires d'autoroute, tu vois? Parce que moi j'ai besoin juste de ma dose de prot en fait. Donc là je suis obligé de me taper tout ça. Parce que c'est mieux de manger ça que de rien manger, tu vois. Mais bon, voilà, un petit shaker, j'aurais pas dit non, frérot. Bon, premier arrêt, frérot, à la station essence. Je suis rentré acheter mon café d'abord. Voilà. Et là c'est insupportable parce qu'il a mis la radio à fond dans toute la station. Donc t'entends la radio, c'est insupportable. On va donner à manger. Bon, la famille, comme vous pouvez constater là, on a refait le plein. Donc on a 460 km d'autonomie avec le plein que vous voyez ici sur l'extrême droite, frérot, de la voiture. Voilà, on est sur autoroute. Je filme à la GoPro, dites-moi si vous préférez quand je filme à la GoPro avec mon autre caméra de nuit. Je sais que de nuit la qualité de mon caméra est un peu mieux, mais là on a un angle qui est un peu plus large et je me dis que du coup pour filmer comme ça, c'est peut-être plus sympa pour filmer de la route entre guillemets avec un angle large plutôt qu'avec un angle normal, vous voyez. Au moins là on aperçoit bien le petit travail qu'il y a au niveau des LED, au niveau de l'intérieur de la voiture et tout. Bah, la famille, il y a un truc un peu embêtant avec le régulateur de vitesse, c'est qu'en fait il prend en compte quand il y a des virages et quand il y a des virages il freine en fait, tu vois. Donc il freine quand il y a les voitures de devant et quand il y a des virages un peu serrés, tu vois, au lieu de garder la vitesse que tu lui as ordonné de garder, il se permet de ralentir, tu vois. Donc ça, c'est un peu embêtant pour moi, mais après, il y a plein de gens qui aiment ce genre d'assistance, tu vois. Moi, je suis pas fan, mais après, c'est vrai que pour faire de la route, pour l'instant, j'ai rien à dire, c'est une excellente voiture. La consommation un peu élevée, forcément, on a un V8 biturbo de 600 chevaux, donc on peut pas s'attendre, frérot, à consommer 5 litres au 100. Donc on doit être à 12, 13, 14 litres, je pense, si je dis pas de bêtises, ce qui est pas non plus énorme. On a un réservoir de 60, 70 litres, je crois que c'est 65 si je dis pas de bêtises non plus, mais vu que je dis souvent des bêtises. Et voilà, la route se poursuit, 755 km il nous reste 5h40 de route et ça nous dit qu'on arrive à 1h25. Pour l'instant on roule aux limitations et on va rouler aux limitations toute la vidéo, mais sur la fin en général le GPS, tu sais, il te réduit un peu le temps qui te reste parce que j'ai le pied un peu plus lourd, frérot. Bon, la famille, on est sorti d'une station essence, encore une fois, je vais en mettre un peu d'essence, j'en profite pour m'arrêter un peu parce que je suis un peu fatigué et je vous cache pas que quand je suis fatigué un peu comme ça, je préfère m'arrêter, prendre un bol d'air, frérot, frais ou pas frais, frais ou chaud même,
Mais au moins, je peux m'arrêter et voilà, rester bien concentré sur la route. Parce que peu importe la voiture qu'on a, quand on est fatigué, c'est important de savoir faire une jeune pause, frérot. Et de prendre l'air, il n'y a pas de honte à ça, bien au contraire. Donc je vais m'arrêter, je vais mettre de l'essence à famille. Et on va voir un peu combien on met pour un demi-plein. Bon, ça y est, j'ai mis mon code. Je peux me servir. Ce que j'aime bien sur la RS7, tu vois, c'est que t'as pas le vieux truc là que tu tournes là. Tu sais, t'as direct le trou. Comme ça, tu vas droit au but. Toujours 98 de préférence chez Total. Tu le rentres et on va mettre le plein. On va voir un peu ce que ça donne. Après, je vais vous faire un tour rapide de la voiture. Mais là, déjà, on va voir combien ça va nous coûter. Bon. Tu vois, je m'arrête comme ça parce que quand t'es fatigué, c'est bien de savoir t'arrêter, tu vois. Au lieu de vouloir continuer, forcer, et au final il t'arrive une dinguerie. Moi je me dis je m'arrête, je prends un bol d'air, quoi, même si c'est que 5 minutes, ça me retarde de 5 minutes, c'est pas grave. Et après au moins je continue ma route bien, tu vois, bien en forme, c'est important. Donc voilà, on est déjà à 50. Moi je pense qu'on va mettre dans les 60 quelque chose, tu vois. Ah non, 52. Bon, 30 litres, voilà, c'est ça, il nous restait une moitié de plein. Alors c'est pas une voiture qui a un gros réservoir par rapport à la puissance qu'elle génère, frérot. Parce que voilà, un véhicule 600 chevaux, 60 litres, c'est un peu léger. Mais sinon voilà. Tu vois l'arrière très énervé. Le 3 quarts arrière, très énervé aussi, avec les jantes qui sont immenses, 22 pouces. Et la face avant de la voiture qui est là, tu vois. Quand tu allumes la jeune lumière folle, je t'appuie ici. Là, tu vois les feux à l'arrière. La signature lumineuse de cette voiture, c'est vraiment un des gros points forts. Et la config tout carbone aussi, comme tu vois ici, voilà, c'est quelque chose. Donc voilà, je vais respirer 5 minutes et ensuite on va se tailler, frérot. Bon, tu vois, les RS6, RS7, les nouvelles, à chaque fois que tu fais le plein, ça te demande si tu veux réinitialiser le compteur de kilomètres. Moi, je mets non parce que j'aime bien savoir voilà, combien j'ai fait de kilomètres. Aujourd'hui, ça c'est uniquement aujourd'hui, 560 km. J'ai pas mal roulé aussi ce matin. Et là, on a 510 km d'autonomie avec le plein complet. Alors qu'avant, on était à 470, si je dis pas de bêtises. Donc ça veut dire qu'on a roulé un peu plus calmement. Après, ici, comme d'hab, le CarPlay. On va remettre Waze parce qu'on n'avait plus Waze. Et là, on va voir combien de temps il nous reste. Il est un peu lent des fois. Hein. J'aime bien cette application, mais c'est un peu lent des fois. Il nous reste 4h56 de route et 637 km. Donc on a déjà bien avancé. C'est un point positif. On va continuer sur cette lancée. Bon, la famille, on est en train d'arriver à Lyon. Ça y est, on est dans ce fameux tunnel que je pense tout le monde connaît à Lyon et qui est tristement célèbre parce qu'à chaque fois que je passe d'habitude, je le fracture avec ma voiture. Mais aujourd'hui, je me suis promis de respecter la limitation de vitesse, frérot. Donc là on est à 70, je sais même pas à combien c'est limité là-dedans, mais je pense que c'est plus parce qu'on est en train de se faire doubler par tout le monde depuis tout à l'heure. Donc je suis en mode efficient, l'essence descend beaucoup moins vite parce que je roule moins vite depuis tout à l'heure. 450 km d'autonomie, on est à mi-chemin, donc il nous reste à peu près 500 km, frérot, avant d'arriver. Je vais bientôt m'arrêter pour dîner, je pense d'ici peut-être une demi-heure, je vais m'arrêter pour dîner tranquillement. La RS7, en tout cas, pour vous donner mon ressenti, c'est une excellente voiture pour faire des longs trajets comme ça. En mode efficient, comme ça, elle consomme rien du tout. Elle est super agréable. Les amortisseurs sont très souples, très mous. Les déformations de la route, on les sent pas trop. Et franchement, je n'ai rien à dire sur cette voiture. Comme la RS6 d'ailleurs, c'est des grosses routières, c'est des voitures qui bouffent les kilomètres et qui sont super agréables. Bon, les amis, j'en suis au deuxième flash avec la voiture, donc bon, ça commence à piquer un peu, mais c'est vrai qu'en fait tu sens tellement pas la vitesse avec cette voiture que du coup quand ça flash tu t'y attendais pas du tout, tu vois. Au début je pensais que c'était un selfie avec quelqu'un, mais en fait non, je me suis flashé. Donc pour l'instant on en est à 180 €, 2x90 frérot, de budget flash. 478 km, 3h41, arrivé à 1h38, ce qui est logique sachant qu'on a respecté les limites. On roule même en dessous, tu vois, en ce moment même on est à 90 et qu'on s'est arrêté pas mal de fois pour pisser et pour manger et pour voilà. Alors on arrive au péage, les amis. Alors je conduis avec mon genou et je mets le télépéage là, voilà. Donc là tu vois, en un simple clic on passe en mode RS et là ça nique des darons. T'as vu,
Il y a une très belle vue sur la droite, le rétroviseur super sympathique, franchement. Je trouve très aérodynamique à haute vitesse. Attends, je freine parce que j'avais dépassé les 112 et c'était limité à 130. Ah non, bah ça va, j'étais dans les clous en fait, tu vois. Bon là, je me suis remis à 113 parce que j'ai repris un peu de vitesse du coup. Bon les amis, encore un petit arrêt au stand avec la RS7. Donc là, vous voyez, c'est bien éclairé. J'aime bien la qualité de la GoPro en angle large pour ce genre de vidéo. Je trouve que c'est mieux que mon autre caméra. Même si le son est un peu moins bien, certes, parfois. Mais en tout cas, tu vois, voilà. La RS7, elle est là. Elle est énervée comme jamais, frérot. C'est un vrai missile sur vous. Tout le carbone, échappement noir. Donc là, je vais remettre un peu d'essence dedans. C'est comment que ça marche? C'est par carte. Voilà, je vais mettre la carte. Je vais remettre un bon plein de 98. Ça s'appelle E5 maintenant. Bon, je repasse un peu à cette caméra, les amis, parce que j'ai l'impression que sa qualité est quand même mieux que la GoPro de nuit. Donc justement, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. C'est intéressant. Comme vous pouvez le constater, il nous reste 217 km. C'est écrit ici. 1h49 de route. Et ça dit qu'on doit arriver à 2h03 du matin. Donc pourquoi est-ce qu'on arrive un peu plus tard que prévu? Tout simplement parce que j'étais assez fatigué, je préférais m'arrêter. Et après j'ai laissé mon jeune ami conduire mon aberrant véhicule. Voilà. Donc là si vous voulez, on a Coyote ici, Waze ici pour la double sécurité folle. Et là voilà, on est aux limitations 130, tranquille, en mode efficiency. On fait quasiment 500 km par plein, on va mettre 2,5 à peu près je pense. Pour arriver à Monaco tranquillement. Au niveau de la route, c'est assez calme. Voilà, la nuit, il n'y a pas grand monde. On a croisé quasiment que des camions. Au niveau de l'éclairage de la voiture, tu vois, ça éclaire bien. Les feux Matrix LED, même sans être en plein phare, c'est pas mal du tout. Et au niveau du confort côté passager, bah, on est clairement sur une voiture qui est très confortable. Même côté passager, autant que ça soit conducteur que passager, on est très très bien dans cette voiture. Assez confortable, 4 roues motrices, 4 roues électrices. Tu vois, il y a un très bon agrément de conduite, même en tant que passager. Donc voilà, pour l'instant, rien à dire sur cette RS7. C'est vrai que ses talents de grande routière, de toute façon, ne sont pas à remettre en cause. Parce que c'est un véhicule qui est réputé pour ça, j'ai envie de te dire, et qui a largement fait ses preuves. Bon, la famille, j'espère que ça va. Je suis à Nice, il y avait une petite déviation sur l'autoroute. Là, je suis dans le centre-ville de Nice. Donc ça y est, je suis à genre 20 km de Monaco. Je vous cache pas que je suis extrêmement fatigué, frérot. Je suis au bout du rouleau là, ça y est, je n'en peux plus. Il y a la jeune police qui est passée à fond devant moi, j'ai bel et bien cru que c'était pour moi. Je suis complètement éclaté, c'est une des rares fois où je suis aussi fatigué. Mais bon, on l'a quasiment fait, on est quasiment arrivé. Donc là, je vais rechoper l'autoroute rapidement avec la jeune RS7 et ensuite me diriger vers mon aberrant parking, frérot. Là, du coup, ça me permet de voir que bah, même en ville, c'est une voiture très polyvalente, tu vois. Parce que même en ville, c'est un véhicule qui est confortable à conduire, tu vois. C'est-à-dire même s'il y a des bouchons, etc. Bon là, c'est pas le cas, il n'y a personne, tu vois, comme tu peux le constater. Mais même dans les bouchons, tu vois, en mode efficient, il y a le... C'est pas un véhicule qui est bruyant. C'est un véhicule qui est confortable au niveau des suspensions, etc. Et si tu veux tirer un petit tuning en ville malgré tout, voilà, tu peux, tu vois. C'est ça que j'adore, moi, la polyvalence d'un jeune véhicule, frérot. Après, au niveau de l'essence, comme tu peux le constater, il me reste 90 km d'autonomie et 2 barres d'essence. Donc voilà, je pense qu'en tout, j'ai fait 2,5 pleins, je dirais, depuis que je suis parti de Paris. Ce qui est pas mal pour un véhicule comme ça, sachant que la deuxième partie a été un peu plus... a eu un rythme un peu plus soutenu, frérot, que la première, donc on a consommé un peu plus. Mais 2,5 pleins pour une voiture comme ça, pour faire cette route-là, quasiment 1000 km, ça va, c'est pas énorme. Sachant que le réservoir n'est pas immense non plus, tu vois. C'est un réservoir de 60-70 litres, d'après moi. Donc voilà, pas mal du tout, frérot. Bon, voilà, ça y est, j'ai rechopé l'autoroute pour les derniers 20 km qui me restent, frérot, sur cette jeune portion limitée à 110. En tout cas, dites-moi si au cours de cette vidéo, vous avez préféré que je filme à la GoPro comme maintenant, ou si vous avez préféré que je filme avec ma jeune caméra aberrante qui a une qualité qui est mieux certes mais qui n'a pas d'angle large comme la GoPro, tu vois. Donc là la GoPro en effet ça permet que vous puissiez voir, tu vois, la totalité de la voiture comme tu peux le constater, y compris l'écran qui se trouve là avec notamment la voilà, Waze par exemple, ou alors les aberrantes musiques, frérot, que YouTube Studio me conseille, frérot. Voilà. Si je dis un peu n'importe quoi, c'est normal, je suis assez fatigué, frérot.
Là, s'il me restait genre 200-300 km, je me serais arrêté, je pense, à l'hôtel. Parce que c'est plus raisonnable de conduire quand t'es dans un état un peu fatigué comme ça, c'est mieux de t'arrêter. Mais bon, là, je suis quasiment arrêté. Je suis quasiment arrivé. Et j'en perds mon latin, frérot. Et puis bon, voilà. Donc, on continue tranquille. Bon, après avoir présenté la RS7 qui se trouve là à la E63, je suis venu la présenter à la RS6, et avec la RS6 ce contact passe beaucoup mieux, et avec la RS3 aussi d'ailleurs, et avec l'autre RS6 aussi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va garer la RS7 avec les Audi, comme ça au moins tu vois, elles restent entre elles et tout le monde est content, frérot. Parce que la E63, elle, il allait peut-être avoir une bagarre dans la nuit, je préfère pas. Donc voilà, je perds un peu la tête parce que je suis très fatigué, les frérots. Je suis très content d'être rentré. La route avec la RS7, c'était un régal. Mon pote, il a conduit un peu, il a kiffé aussi, franchement. Donc voilà, très bonne routière, que des points positifs sur cette voiture. Peut-être même un peu plus que sur la RS6, mais ça, on en parlera dans une vidéo comparative. Dites-moi si vous voulez une vidéo de comparaison entre la 7 et la 6 qui se trouve là. C'est les deux dernières dans tous les cas. La 6, c'est la mienne, et la 7, c'est le véhicule presse. Mais peut-être que je vais en acheter une aussi. Je suis en train de réfléchir. Donc voilà les frangins. Je vous souhaite plein de bonnes choses. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si jamais ce n'est pas le cas encore. De laisser un petit like, frérot, pour donner un petit peu de force. Qu'on continue à faire du sale. Hein. Et dites-moi ce que vous avez pensé de ces jeunes 1000 km. Si vous avez préféré avec la CLA du sénateur. Ou plutôt avec la RS7 du trafiquant de cocaïne, frérot. Bisous la famille.